Si les hommes viennent de Mars et sont espoir de la vie, alors les femmes viennent de Vénus et ne peuvent que la porter. Majestueuse, couverte d'un voile blanc telle une mariée devant l'autel, Vénus n'attend que de se faire découvrir. Laissée pour compte face à la planète rouge, elle nous appelle à s'intéresser à elle. Qui d'autre pour mériter autant d'intérêt que celle que l'on appelle pourtant sœur jumelle de la Terre ? L'éclat de Vénus est somptueux dans le ciel du soir. Vous ne pouvez pas manquer Vénus, à l'ouest après le coucher du soleil. L'étoile du berger arrive avant la fin du crépuscule, avant que la clarté résiduelle du ciel ait encore suffisante pour éclairer faiblement le paysage. L'éclat de Vénus est incroyablement plus puissant que celui des étoiles qui s'invitent sur la voûte céleste. Cette planète surplombe l'horizon ouest d'une bonne trentaine de degrés, soit plus que la hauteur couverte sur le ciel, par votre main grande ouverte et bras tendus. Vénus est facilement repérable à l'œil nu grâce à cette luminosité exceptionnelle, même en milieu urbain. L'atmosphère épaisse et corrosive de Vénus n'est pas très accueillante. En surface, ce n'est pas mieux. Notre chaleureuse voisine approche les 500 degrés Celsius. Toutefois, de passionnants indices suggèrent que Vénus pourrait être la première planète du système solaire à avoir été habitable. Vénus est l'une des quatre planètes telluriques du système solaire, rocheuse comme la Terre. Nommée d'après la déesse romaine de l'amour et de la beauté féminine, sa taille et sa masse sont très semblables à celles de notre planète. Un puissant effet de serre maintient sa température moyenne de surface à 470 degrés, ce qui en fait la planète la plus chaude du système solaire. Sa période de rotation est si lente que 3 jours vénusiens correspondent à environ une année terrestre. À noter que Vénus ne possède aucun satellite naturel. Elle tourne autour du Soleil en 225 jours et tourne sur elle-même en 243 jours dans le sens rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation du Soleil. L'atmosphère vénusienne, 100 fois plus massive que celle de la Terre, est indépendante de la planète et possède une super-rotation d'une durée de 4 jours. Elle tourne si vite qu'elle génère en altitude au niveau de l'équateur des vents de plus de 360 km/h. Sa densité et sa composition sont également à l'origine de l'effet de serre responsable des températures suffocantes,
les plus élevés jamais enregistrés à la surface d'une planète de notre système solaire. Décidément, il fait pas bon vivre sur Vénus. La structure interne de Vénus se décompose, comme la Terre, en trois parties, noyau, manteau et croûte. Toutefois, Vénus ne possède pas de champ magnétique interne, ce qui laisse présager d'un noyau purement liquide. Depuis le début des années 1960, une vingtaine de sondes seulement ont rendu visite à la sulfureuse Vénus. Ils y sont restés pendant respectivement 53, 65, 57 et 127 minutes avant de littéralement fondre. En effet, les conditions de pression et la température extrême mènent la vie dure aux instruments électroniques, rendant compliqués, voire impossibles, les atterrissages et modules ou les plongées dans l'atmosphère. De plus, la détection de traces de vie, bien peu probable jusqu'à aujourd'hui, oriente les budgets des agences spatiales vers une Mars plus attrayante, où les découvertes d'eau sous diverses formes enthousiasment régulièrement la presse. Mais depuis que des chercheurs ont établi la présence apparente de phosphine, la roue tourne pour Vénus. Elle est la planète qui peut atteindre le point le plus proche de nous, à 42 millions de kilomètres de la Terre, dans la meilleure des configurations. À titre de comparaison, Mars ne se rapproche qu'à 56 millions de kilomètres de la Terre. Il faut croire que si les femmes viennent de Vénus, elles méritent donc davantage d'attention que les petits martiens. Vénus a sûrement beaucoup de secrets à nous révéler. La phosphine a été détectée par l'observation de l'atmosphère vénusienne à l'aide de deux radiotélescopes. Elle pourrait provenir de processus inconnus de photochimie ou géochimie, ou par analogie avec la production biologique de phosphine sur Terre grâce à la présence de vie. On trouve aussi ce composé dans les planètes géantes gazeuses du système solaire, mais il n'est pas d'origine biologique. La phosphine est associée à une odeur de poisson pourri, ce qui fait que dans de nombreux pays, son usage est très réglementé. Pouvoir trouver de la vie à des centaines d'années-lumière est une tâche difficile. Généralement, les détections d'exoplanètes ne sont accompagnées que d'une vague estimation de masse, de diamètre et de paramètres orbitaux. Mais l'arrivée de nouveaux outils laisse présager la possibilité d'analyser un jour la composition de composés chimiques de l'atmosphère d'exotères. La présence d'azote, d'eau ou d'oxygène serait assurément un signe encourageant. Cela montrerait une grande ressemblance chimique avec notre planète. Seulement, il existe mille façons d'expliquer la présence de ces gaz dans une atmosphère sans que la vie n'intervienne. Bien que, pourquoi se limiter à la vie telle que nous la connaissons? Des êtres sur Terre peuvent survivre sans lumière, sans eau, sans être directement visibles. L'idéal serait donc de trouver un gaz lié de manière indiscutable à la vie, et c'est là que la phosphine devient intéressante. Thank you.
ce gaz est une biosignature solide qui pourrait mener à la découverte de la vie ailleurs dans l'univers. Vénus ne serait-elle finalement jamais morte ? En effet, les calculs qui ont utilisé un modèle similaire à celui permettant de prédire le changement climatique sur Terre confirment une fois de plus les observations des sondes Pioneer et Vénus Express. La planète Vénus aurait bien été pourvue d'un océan d'eau liquide peu profond ainsi que de températures de surface habitables pendant environ 2 milliards d'années au cours de son histoire, entre 2,9 milliards et 715 millions d'années avant notre ère. Aucune sonde spatiale n'a fonctionné plus de 2 heures sur le sol vénusien, et l'essentiel de nos connaissances vient de satellites en orbite autour de la planète. De nombreuses structures ressemblant à des volcans terrestres ont été découvertes dans les années 90 par la sonde radar Magellan, mais rien ne permettait de savoir si ces structures étaient récentes ou anciennes. Une sonde européenne, Vénus Express, avait observé en 2010 une température très élevée sur une formation supposée volcanique, mais tout ce qu'on pouvait en dire, c'est qu'elle était âgée de au moins 2 millions d'années et contenait l'olivine, un minéral volcanique. En reproduisant en laboratoire les conditions qui règnent sur Vénus, une équipe de chercheurs vient de montrer que l'olivine portée à haute température se couvrait en quelques heures d'oxyde de fer et devenait indétectable. Donc, l'olivine découverte par Vénus Express était de formation récente. Elle avait dû être mise à jour peu de temps avant les observations. On se doutait que Vénus était une planète active, mais cela semble désormais prouvé. C'est une planète qui respire. Pour en savoir plus, il faudra attendre la prochaine sonde vénusienne. Ce devrait être une sonde russe, nommée Venera D, dont le lancement est attendu pour 2024. Découvrirons-nous, à cette même occasion, que la déesse de l'amour, notre belle Vénus sous son voile blanc de mariée, serait porteuse de vie ?